Moi, na vale bien tufuata. Mina milamkia. Kama una tufuata ku television, me huku licencié ku droit na lewa wa inaje ku parquet. Mungu kuna kona fashi yote huku. Wende ku parquet, wanze kusambisha. Huku paka metre mu quartier, me unayoga ni mambo wa snail. Kama moto inenda, oh, ni lini fulani kuna problem. Hivi na hivi. Me automigaye ku snail. Mtu kama anaowesha, unayua. Wakuza motokaa kiuze, unajua. Mu quartier, mwenye makuta, asha kwa na kontable pa balabala. Na ashiduaja, sewa na kontable. Tunaramki yako na bantu bote bale beko natufuata muhimu ma beko ba celibataire kama unafia koa parce que mukori mashuku na sababu na chompoka hapana kwenda koa wewe bwana mfupi unaenda koa bibi mfupi aikalake bien kama mpuli nakufa mnyuma na hata changu unayoga kuchakula tunaramki yako Wazazi bote wala baba yake madati anniversaire ya watoto wao. Mtoto wa mvumbi. Tuna mtoto wa wageni wengariki kubariera bali hata mpanga papa alisema wachukue tukoneshe ana hako. Tuna mjenzi mzee wangu. Nishe paka. Ah, tendereshe paka tuna mkaka deja bantu wangu. Nije madame. Wa? Madame yuko mlefu. Eko, eko mulefu. Oui, on ne pita même. Aba ambo. Si par exemple, on la mulefu tu ni kuria. On ne pita même mulefu, disons, je prêche l'exemple. Ouais. Alors, c'est quoi le projet? Le projet oui. En rapport avec mon carrière et encore artistique. Ouais. Après mon entreprise, essayer de pouvoir orienter tous ceux qui ont un don naturel comme le mien à pouvoir se retrouver parce que au début je ne pensais pas que j'allais apparaître au grand jour ouais, mais j'ai eu cette opportunité et quand Dieu fait en sorte que la chance puisse nous sourire, nous devons aussi faire en sorte que ceux qui ont la même chose que nous mais c'est encore caché puissent un jour voir le grand jour. C'est ça, c'est en les boostant, en faisant beaucoup de choses. C'est comme par exemple aujourd'hui on peut citer l'honorable Vital Souza, ouais, qui dans l'ombre peut nous booster, oui. Je n'ai pas honte de le dire. C'est ça, avoir cette idée-là de pouvoir être en contact avec ceux qui ont les mêmes talents que nous autres, leur dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Demain, au travers de cet exemple, ils pourront aussi faire mieux pour ceux qui vont venir en troisième position. Très bien. C'est les plus grands projets. Et voilà. Mais produire aussi, avoir des spectacles publics, ce qui va venir. Parce que j'étais d'abord en train de pouvoir me faire accepter chez soi. Ouais. Chez moi même. Donc, comme maman, on est plus à Boukari, ni bien va tout toi parce que maman ne pique bien après la maman vous m'ignorez la voici mon piquer bien va tout toi ouais donc c'est mieux ce que l'on fait ouais. Population hyper voilà quand il a hyper et puis nous allons voir comment faire ce qui est de plus en plus amélioré voilà c'était ça donc se faire accepter chez soi et après produire les spectacles aider aussi les autres qui sont dans l'ombre à pouvoir voir les grands jours C'est un peu ça. Très bien. Madame, une question. Alors, Alia Kassoulou, ça te fait quoi quand sur le, tu te retrouves sur le même podium avec des grands? Ouais, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, je me dis qu'il y aura aussi ceux qui vont venir après qui se diront j'étais sur le même podium avec Alia Kassongo. Oui. Moi, j'aspirais aussi à être sur le même podium avec plusieurs grands de la ville. Et, Quand je suis sur le même podium, je dis Dieu merci, voilà, j'ai fait un pas. C'est une fierté, j'en suis fier. Est-ce que ton intégration au fait parmi les grands, pour qu'il y a bien, il y a des petits quoi? Pour Nipokele a bien, oui, on m'a bien accueilli, mais normalement, les événements sont organisés par d'autres personnes et puis on se retrouve tous ensemble. Mais selon moi, je trouve que les grands m'ont bien accueilli. Je n'ai pas de problème, il n'y a pas de petits couacs comme vous l'avez dit. Tout passe bien, on m'a bien accueilli et voilà, je les reconnais. Alors s'il faut bien représenter la ville de Lubumbashi, Mbartiste Beauté, tout à l'heure où tous les cités, il n'y a pas de représenter. Ça, je ne saurais pas. Pourquoi? Vous pouvez poser cette question à la population, c'est elle qui nous suit. Moi, je suis aussi artiste. Et parmi les artistes, qui est l'artiste qui t'a vraiment piqué quand on fait ça, où il est vraiment dans les bons?
plusieurs. Je ne serai pas cité, je serai borné. Seule la population est habilitée à pouvoir faire des choix. Moi, non. Bien répondu. Alors, faisons encore quelque chose, Alias. Et voilà, vous m'interrompez directement. Moi, je pense peut-être que j'étais dans les murs. Et donc, comprenez ma voix. Oh, mais il a tout dérangé. Ma chute. You are it ok. Coupé en voulant qu'on a piqué. You are. On va le voir au fil. On va le voir le 14 février. Mais en passant, banamou qui va les beaux te va fêter Saint Valentin. Mais avant, on va bien ouper. Mais on a ma pénalité à courir. Pendant Valentin, moi, il y a le quoi comme qui va te va bien aussi. Il fallait battre. Je suis quoi ma gif. Mais là, on va le fêter. D'abord, on va fêter Saint-Valentin. Et puis, on va te faire un cadeau. On va te faire un cadeau à Saint-Valentin. Il faut que tu te fasses un Bob Marley. Il faut que tu te fasses un cadeau. Voilà. Et puis, on va te faire un cadeau souple, comme un statut WhatsApp. On va te faire un 14, on va te faire un statut. On va te faire un statut. On va te faire un statut. Voilà. C'est un peu ça. Banamouke botte bachara ma femme forte, femme battante, la patronne, ceci, cela. Ouais. Bon, mais on connaît qu'il y a au Congo, chaque temps, ma papa va faire que tu les battantes, banakoumana. Jusque là, moi, je suis en train de me demander. Ouais. Félicitations à toutes les femmes battantes et fortes qui sont mariées, qui ont réussi à honorer leur famille. Merci. Et aussi, vous autres, veuillez faire un effort de pouvoir vous rattraper. Battante, Moukouicha Sibofor, ou bien battante, vous prenez un iPhone 13, mais elle est sa papa à chez Kouyouza. C'est compliqué. Alors, pour ceux qui concernent les hommes, essayez de vous mettre en action. Voilà, il ne faut pas attendre l'État. Les blagues sont constituées comme ça. C'est par exemple quand je dis Ushakushak ou droit, n'allez au 7 ans. C'est vrai, vous savez qu'il y a déjà maître, mais attends. Et au papa staff. Ouais, au papa staff. Attends, tout beaucoup, on vit mon quartier chez Saint-Michel. Mais au papa maître. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et puis, la plupart, je vais vous dire que je vais éviter de vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je s'il vous plaît, on est pressé, je vais vous dire. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, marié, célibataire? Bon, moi, je laisse les gens répondre à cette question. Je suis comment marié, je suis correctement marié et c'est viral. Tu as une cabane qu'à ça, ça? Ouais. Non, je ne suis même pas sûr qu'il est en chat. Un peu en moyen. C'était le 26 décembre de l'année qui venait de s'écouler. 2021. Oui. Ouais. Voilà, que j'ai eu à célébrer ma soirée nuptiale. Mmh. Je suis marié religieusement, coutumièrement, légalement, dans la commune et partout. Et voilà. Communément. Je suis marié dans tous les angles. Mmh. Alors, madame? Et alors, Alia Kassongo, il m'a. J'ai envie de dire, il m'a. Comment est-ce que je m'en vais? Mané. Il m'a cocotona! Il m'a cocotona! Je ne comprends pas juste là. C'est une des thématiques comiques que j'ai choisies. Ça, y a Djembe, mon blagan. Ouais? Tu t'écoutes mon blagan? Ça, Ramela, c'est ma bonne. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et bonjour mesdames et messieurs et messieurs. Comme ça, ça passe. C'est quelque chose qui est venu comme ça et puis voilà, je ne pense pas pour que Nicotole, mais ça arrive. Bonjour à tous et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Ce sont des histoires qui peuvent arriver, mais normalement, je me concentre sur ça pour que ça puisse normalement plaire aux gens et leur détendre. C'est mon objectif. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de toi, dans tout? Et qu'est-ce que tu peux dire à tes fans? Dire à mes fans de toujours continuer à aimer ce que j'ai fait, continuer à donner du goût, continuer à donner de l'ambition, de la force à leur artiste que je suis, c'est que ce que je suis en train de faire, je l'ai fait pour les gens et en retour, j'essaie d'en faire un gagne-pain, donc je suis fier de le faire. Continuez à m'aimer, je l'ai fait pour vous, je ne l'ai fait pas pour moi seul. Et faites confiance en ce que je suis parce que petit à petit, je suis en train d'avancer et de grandir. Demain ou après-demain, je serai
là en train de vous représenter en Afrique et même partout dans le monde, ça sera une fierté pour vous. Merci. Ton numéro? Non. Ouais, j'ai dit que le numéro, mais... Madame, je t'en dérange. Non, elle est correctement formée sur ça. Sur tous les plans? Ouais, sur tous les plans. Mm-hmm. Donc, elle a étudié. Ouais. Si il faut que je puisse dicter les numéros pour mes fanatiques, ça ne gêne pas. Ah. Mais il y a toujours des démons qui ne manquent jamais. On sait qu'il y a des démons qui ne manquent jamais. Ouais. Pour ceux qui auront besoin de moi, pour mes services et autre chose, je suis disponible, mais ne me bipez pas, parce que vous... Ça va, montez la bipez par WhatsApp. Association des bipeurs. Ouais, association des bipeurs. Ne me bipez pas, parce que si vous bipez, vous allez vous rendre compte que la deuxième fois que vous allez essayer, ça ne passera pas, même si vous êtes fétichère. Ouais, donc vous appelez pour dire ce qui est essentiel. Je serai content vraiment d'avoir vos suggestions, vos conseils, et surtout vos motivations. Voilà. Mon numéro de contact, c'est le 097 44 67 999. Je réitère, le 097 44 67 999. Alia Kasongo. C'est le même numéro sur WhatsApp. Appelez-moi quand c'est nécessaire. Quand vous n'avez rien à dire, n'appelez pas, s'il vous plaît. Surtout, merci. Ma démon, Bal. Vous, les démons, ouais, appelez pas. Bon, ils sont avisés. Alors, c'était un plaisir de t'avoir sur ces plateaux. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé, ouais. Et surtout avec ceux qui ont réussi à nous suivre de partout. Malgré ton état de santé, je suis... Ouais, vraiment... vous allez entendre. C'est par la voix, mais je me suis quand même porté garant. Et je me suis fait violence de venir honorer l'organisation de cette tranche. Surtout l'organisation générale de Faya TV. C'est oui. La première fois que je passe en direct et puis je me suis senti chez moi. Chapeau à vous. Merci bien. Voilà, j'apprécie cet accueil. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, il était là, notre invité. Et directement, nous allons bien passer à la partie boîte dite, les dernières sorties. Et on se retrouve dans un instant.